أمنوغ غف تمازيغت يجبدان ديك سكواس ربعين ويحبس لا ولا ديك سكواس نيغ إبركان نتمورت نا الجزائر زيادة غار منوغ غف تمازيغت يرنا دغورس أمنوغ ميال إم طرفة يون ومستان يجفرن إيمانيس غار تماس لوناس معتوب مسلاين ديك سكواس نيغ ويرند ثيغريغ ميال هذا فوغ يكحقرن تمازيغت ميال إم طرفة يجنوان أطفن ثامورت نا الجزائر وجي ذا سمشتي L'intolérance, je la vois sous trois angles. Le premier, c'est l'intolérance des intégristes, l'intolérance religieuse vis-à-vis de tout ce qui ne représente pas leurs convictions. Il y a aussi une deuxième forme d'intolérance, celle de ces démocrates ou de ces partis qui refusent de reconnaître l'existence d'une mouvance islamiste. Et la troisième forme d'intolérance, c'est celle qui est cultivée par l'État vis-à-vis de la question berbère. Je dois apporter cette précision. En Algérie, la question berbère n'est pas une question kabyle. En Algérie, il existe des kabyles qui sont berbères. Il existe des chaouias qui sont berbères. Il existe des Mozabites qui sont berbères. Il existe des Touaregs qui sont berbères. Il existe des Zouaoua qui sont berbères. Cette revendication, appelée revendication berbère aujourd'hui, est cantonnée uniquement en Kabylie. Je me demande pourquoi. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans les hautes fonctions de l'État, au sein de l'armée, au sein des services de sécurité, au sein des institutions publiques, il y a énormément et de grands responsables qui sont berbères, qui sont kabyles. L'État doit être courageux, doit reconnaître toutes les cultures qui existent en Algérie, c'est dans l'intérêt de notre stabilité, c'est dans l'intérêt de notre pays. Tous ces gens, toutes ces personnes qui aujourd'hui parlent de revendications berbères ou de revendications kabyles, n'ont jamais exclu qu'ils sont d'abord et avant tout des Algériens. La lutte pour l'identité berbère a toujours existé, bien avant le mouvement national. Et le mouvement culturel berbère est né après l'indépendance, il est animé de jeunes qui revendiquent cette légitimité, ce droit. Le mouvement culturel berbère est un mouvement pacifique qui a toujours milité pour cette cause berbère, cette identité berbère bafouée par toutes les facettes du régime. Notre revendication, c'est que Tamazight, cette langue berbère, soit institutionnelle et constitutionnelle. Malheureusement, le pouvoir...
ni les droits de l'homme, ni les droits de l'homme sous toutes les formes, ni aucune opposition, non plus part à mon malheur, sauf le peuple comme un seul homme n'a osé défier la peur. Ce parti ou celui-là, je ne me gênerai pas, aller torpiller haut et bas, sans relâche, mais sans mépris. Pour que les géoles s'effondrent, pour que tous les bourreaux sombrent dans la triste nuit des ombres, retirons nos baillons, redorons nos blasons, accueillons cette lueur, présage de bonheur, toutes et tous, pour une Algérie meilleure et pour une démocratie majeure. Louège Bessir Medjili, واش بسير مديلين قولا ونادي يفتين خاصك كالواد يتقص ميلا وثاغ ديك مساقين تساور توهين بغر كان ذي فريوس الاعلام 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 كندي فلالين سيدري تلالين الاق وجاش حنتمس هذي شنف وجزايرين هادي يمك دير انتي تلاصلي ناس ادييني اذا زيري اللي غذل قروني في غرون زير اللي غذل قروني في غران عصاري وردة نادي غزات سوق سيدا من عصاري وردة نادي غزات سوق سيدا من ماشي دي سوقيت وصلي وذا مازيغ وريت نوز وريران وريت نوزور